Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine et de Maeva Ghennam. Vous devez certainement tous la connaître, Maeva Ghennam c'est une candidate emblématique des Marseillais et Mila Jasmine c'est une autre influenceuse. Comme vous le savez, Maeva et Mila se détestent depuis qu'elles ont participé à la dernière saison des Marseillais contre le reste du monde. Dans cette vidéo, Marie-Charlotte a l'air d'être très heureuse et elle a fêté l'anniversaire de Nico sur un yacht très luxueux à Dubaï. Sauf qu'elle a aussi lancé des piques à Maeva en la clashant sur son physique. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les snaps de Mila et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Et là, en tout cas, aujourd'hui, franchement, j'ai trop de trucs à vous annoncer. Je sais pas, on dirait une enfant, vous voyez, genre qui vient d'ouvrir ses cadeaux. J'ai trop de projets, j'ai trop de trucs. Je sais pas si c'est parce que c'est la nouvelle année et tout, mais alors que franchement, j'ai jamais de résolution. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va être une trop bonne année. En tout cas, j'en suis sûre, il y a vraiment plein de projets depuis une semaine, depuis ce matin. Donc du coup, je suis vraiment contente. Déjà, à part commencer, pourquoi je vous dis que je suis contente? Parce que les travaux chez moi, enfin, quand je vous dis enfin, voilà, enfin ça commence à voir le jour. Je me dis enfin, ça va être fini. Il y a vraiment plein de projets qui arrivent, notamment cette fin d'année. J'avais pu réaliser un de mes rêves de toujours, c'est-à-dire pouvoir présenter une émission de make-up sur 6play. Et là, il y a encore plein d'autres choses qui arrivent. En février, vous savez, il y a l'émission Miss Esthétique qui va être tournée. Je vais la présenter aux côtés de Jean-Michel Maire, mais je vais également aussi y participer, être dans les coulisses, voir comment ça se passe, aider les filles. On m'a également proposé une télé-réalité dans très peu de temps. Du coup, je ne peux pas vous en dire plus, ce sera complètement différent, un autre concept complètement différent. Et du coup, je suis vraiment contente par rapport à ce projet-là aussi parce que en fait, tout le mois de janvier, je vais avoir du temps avant tous ces grands projets. Et du coup, je voulais le consacrer en fait à partager un peu plus mon univers. Donc déjà, le maquillage, ça c'est sûr et certain, je vais continuer. Mais je voulais vous partager un peu plus de coiffure, puisque j'adore l'univers de la coiffure. Et avant, je le faisais sur ma chaîne YouTube en 2017. Et du coup, je voulais partager un peu plus de tutos, de conseils, coiffure avec vous. Je sais qu'il y en a qui le savent, mais il y en a d'autres qui ne le savent pas. Moi, j'ai une formation en esthétique. Ensuite, je me suis perfectionnée, par exemple, dans tout ce qui était formation make-up. Je suis partie faire des formations de une semaine, des formations de un mois, aussi prothésiste ongulaire, mais également coiffure. Donc, c'est vraiment un univers qui me plaît, que j'ai envie de partager avec vous. Alors, ce n'est pas que des tutos que je vais vous partager, mais je ne peux pas tout vous révéler. Mais je suis en train de travailler sur peut-être une marque, peut-être une collaboration. Enfin voilà, des trucs vraiment qui, moi, me passionnent. Donc les filles, si vous kiffez le make-up, la coiffure, les ongles, vous êtes sur la bonne page. Mon job, c'est nounou. Mais je sais pas si j'ai une bonne nounou. Voilà, les autres ils font la fête, moi je suis là, je l'emmène. Comme si qui, voilà, je suis avec les enfants. Que passe, mamie? Et Non. Mais tu fais des bêtises? Ça va la tête? Ça va la tête? Tu vas pas répéter, hein? Oui. Comment ça, Zlatan, il fait des bêtises? Bah oui, il avance le bateau. Non, je le surveille, il fait pas de bêtises. Si, il fait non, des bêtises. Voilà. Voilà. Eh ben, compliqué comme ton père, hein? Eh ben. C'est mieux que tu sois par terre. Pas de bêtises au moins. Hop là, tu. Zlatan, c'est. Dodo, it's time to sleep! Time to sleep! Non, qu'est-ce qui se passe? C'est normal que je sois qu'avec les enfants?
Non mais... Bah il fait chaud ma chérie, bah... Elle est tombée. Bon. Elle est même faite comme un Wagenham. Pardon. Ça sent la mer. C'est normal, on est dans la mer. Oui, c'est normal. Je suis Caraba la sorcière. Tu es Caraba la sorcière? Oui. Et oui, Kirikou. Kirikou, c'est toi. Avec ta petite mèche. Bah, tu peux le poster comme ça, elle va le voir. Eh ben, ça fera plaisir à ta mère. Moi, j'ai croisé plein de fans. De fans? De qui? Bien là avec ma copine. Oui. On est posé. Tu m'as dit quoi, chérie? On dirait qu'on est à New York les soirs à cause de tous les pas. Bah oui, c'est vrai, tous les bâtiments ils sont illuminés. T'es déjà allé à New York? Non. J'ai déjà vu des photos parce que papa et maman ils ont été quand maman elle était enceinte. Ah, regardez comme c'est beau. On n'est pas bien là entre copines? Si. Magnifique, voilà. Hop, les petits pieds. Oui, parce qu'il fait hop, bien. Hop, hop. Vu qu'il fait bien froid, il faut une couverture. Quel pays t'habites? En Belgique. Voilà, Belgique. Tu sais, tantôt. Oui. Tantôt. Oh, tantôt. Eh ben, tantôt quoi? C'est vous qui dites tantôt. Tantôt. Et comment vous dites 29? 29, mais 29. Vous dites pas 99, non, je sais pas quoi. Comment tu dis? Tu veux dire 2 et 9? Ouais. Bah 29. Et 2 et 7? Bah 72. Hein? 72. 72, ouais. Pourquoi vous le dites comment? Bah 22, 27. Je sais. Bah t'as dit 2 et 7 ou 7 et 2? Je sais pas. Hein. T'as dit 7 et 2, bah c'est 72. Et 7 et 2, c'est 72. Bah non. Bah si. Bah non, 7 et 2, c'est 72. C'est quoi? C'est quoi? 72. 72? 72, pardi tantôt. Bah tu demandes aux Belges. T'as qu'à demander aux Belges, tu vois, ils devraient prendre la même chose. C'est vrai. Bon mes amours, en tout cas j'ai passé une trop trop bonne journée. Franchement c'était trop stylé, c'était l'anniversaire du Faco. J'étais avec tout le monde, j'étais avec le petit Zlat. Et un grand, c'était trop bien. Et un grand merci à Concierge Dubaï qui a booké cette journée, qui s'occupait de tout, que ce soit de la journée bateau, que ce soit de l'animation, que ce soit de la nourriture, que ce soit du gâteau. Franchement, c'était top, top, top. Et je vous recommande et je vous les tag. Moi, ça va, mon amour. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Miam, miam. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai passé une bonne journée. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire à Nico. Et pour mon make-up, franchement, il a grave bien tenu, même mes cheveux alors qu'on était en bateau. Limite, j'aimerais être coiffée comme ça tous les jours, je trouve ça trop trop beau. Je vais vous mettre le contact de ma maquilleuse.
parce qu'elle est actuellement à Dubaï, et également de ma coiffeuse, parce que franchement la coiffure elle est trop belle. D'ailleurs, je vous avais dit que putain, la lumière elle est vraiment pourrie ici. Je vous avais dit que je ferais pas mal de tutos coiffure ce mois-ci, parce que j'aurai pas mal de temps, et du coup, je vais vous faire un petit tuto de cette coiffure là, parce qu'on a le temps de le faire aujourd'hui, juste le temps de monter la vidéo, et je pense que je vais vous partager. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo, et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.